Good day, mate. Hey, I'm Margot, your English teacher. How are you today? I'm happy. Happy. Parce que je vous emmène à la découverte du monde. Devinez dans quel pays on va partir. Dans le pays des crocodiles, kangaroos, and koalas. That's it. Australia. The color of the week is green. Green. Comme à chaque fois qu'on va partir à la découverte du monde anglophone. Green. On va compter jusqu'à 30, 30, et le nombre ordinal sera 30th. Ça fait beaucoup de langues là. 30th. Alors, je vais t'apprendre plein de choses sur cet immense pays qui fait partie du continent qui s'appelle l'Océanie. Les enfants de plus de 8 ans vont apprendre que ce pays, qui est l'Australie, fait partie du Commonwealth. J'explique ce que c'est dans la leçon. Il y a des flashcards également qui sont prêts à être imprimés, à être coloriés, également à l'aide d'une vidéo où on va voir tous ces animaux dans un reportage animalier, où vous pouvez faire pause et colorier les animaux de la bonne couleur. On va découvrir les deux facettes de l'Australie. Il y a d'un côté l'outback, ou le bush australien, qui est aride, qui est désertique, où il y a des kangourous qui traversent les routes, des énormes crocodiles, où il y a très très peu d'habitants, et ça constitue les deux tiers de l'Australie. Et il y a l'autre tiers, où toutes les grandes villes sont construites près des côtes, avec des gratte-ciels, skyscrapers, avec une modernité, avec beaucoup de surfeurs également, avec des grandes vagues. Ce sont des villes très très modernes qui sont toutes sur la côte. On connaît par exemple Sydney, on connaît Melbourne et d'autres villes comme ça. Les premiers habitants de l'Australie étaient les aborigènes, un petit peu comme les Native Americans dont on a parlé quand on a parlé des États-Unis d'Amérique. Les aborigènes sont donc les premiers habitants. Ils ont gardé leur culture, leurs traditions. Et notamment, on va parler de leur musique, on va écouter leur musique, par exemple avec l'instrument typique qui s'appelle le didgeridoo. On va également voir comment on va apprendre à lancer un boomerang. On va également parler de l'art aborigène. Vous savez, cet art où on peint avec plein de petits points de différentes couleurs. Voilà, je te montre par exemple quelques instruments de musique avec l'art typiquement aborigène d'Australie. Et vous voyez les petits points. Alors justement, je te propose des activités de DIY autour de l'art aborigène australien. Et vraiment, je t'invite à faire ces activités avec ta famille ou en classe et m'envoyer les photos de vos œuvres d'art. Pour les élèves de primaire et de sixième, je mets également une présentation PDF interactive pour découvrir vraiment l'Australie hors connexion, en fait, puisque vous pouvez utiliser ce PDF sans avoir besoin d'internet. Pour les enfants à partir du CM, je partage un super bonus. Il s'agit d'une lettre que j'ai reçue d'Isabelle, une femme qui fait le tour du monde et qui envoie des lettres papier, des lettres qu'elle illustre elle-même, de magnifiques lettres qui sont en fait des œuvres d'art. Et elle m'a envoyé une lettre de Kangaroo Island en Australie. Tadam ! Signé par Isabelle. Je vous laisse découvrir tout ça dans la leçon pour les enfants à partir de 10 ans. Amusez-vous bien, have fun, and see you next time. Bye!